Église de Jésus-Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Soyez la bienvenue à ce direct au cours duquel je vais vous partager la vision prophétique de la nuit du 14 au 15 décembre 2020. Donc la nuit du lundi 14 au mardi 15 décembre 2020 sur de grands bouleversements qui arrivent au Gabon et sur l'étendue du bassin du Congo. Donc c'est au sujet de grands bouleversements qui arrivent au Gabon et sur l'étendue globale du bassin du Congo. Je vais commencer par vous raconter la vision, vous relater la vision que j'ai faite pendant cette nuit du 14 au 15 décembre 2020. Pendant mon sommeil, de la nuit du 14 au mardi, du lundi 14 au mardi 15 décembre, j'ai fait une vision humainement effrayante. Une vision humainement effrayante. Une tempête s'est abattue sur la ville de Libreville et sur tout le territoire national. J'ai vu de grands arbres semblables à l'okoumé qui étaient déracinés et jonchaient les chaussées. Ces arbres-là ont été déracinés par la force et la puissance de la tempête, au point qu'il fallait utiliser des tronçonneuses pour les découper, afin de permettre des véhicules de se déplacer. Les vents et les pluies étaient si violents que personne ne pouvait être à l'extérieur d'un bâtiment. Donc il fallait être sous un abri. Il fallait être à l'abri. Et pas n'importe quel abri. Il fallait être dans un bâtiment. J'ai vu des animaux fuir, quitter la forêt pour retrouver les êtres humains en pleine ville. Et tout ce scénario, je l'ai vécu dans cette vision au sein même de Libreville. J'ai vu des buffles, des animaux semblables à l'antilope cheval, envahir la commune de Libreville. Certains de ces animaux cherchaient à défoncer des portillons, des portails de plusieurs résidences, ainsi que les portes de plusieurs maisons. D'autres cherchaient à escalader les barrières, des barrières de plusieurs domiciles. Dans cette vision, j'ai vu plusieurs personnes qui pleuraient à cause des dégâts et catastrophes naturelles produits par cette tempête, croyant que c'était la fin du monde. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. Et il faisait si... Le ciel était sombre. Ensuite, je me suis réveillé en regardant l'heure. Il était environ 3h40 du matin. J'ai commencé à prier pour que le Seigneur m'accorde l'interprétation de cette vision étrange et effroyable que je venais d'avoir. Il m'a révélé que ce que j'ai vu dans ce songe, dans cette vision prophétique, symbolise des châtiments et bouleversements naturels qui arriveront au Gabon et dans tous les pays et dans tous les autres pays qui ont en partage la forêt du bassin du Congo. Et nous savons tous que la forêt du bassin du Congo est la deuxième grande forêt après celle de l'Amazonie.
et qu'elle joue un rôle important dans l'environnement. Un rôle important sur la planète de la Terre. Alors, le Seigneur m'a rappelé qu'il est le créateur et le véritable gardien de la nature et des écosystèmes de la Terre. Il m'a dit que le péché, le mal qui s'accroît sur la Terre et sur tous les pays sur tous les pays dans lesquels s'étend la forêt tropicale du bassin du Congo, va attirer des bouleversements écologiques. À cet effet, les gouvernants des pays de cette zone d'Afrique, ainsi que ceux de l'Occident, qui militent pour la préservation de l'écosystème, doivent se tourner vers lui, vers le Seigneur, et l'invoquer. Car il est le Dieu qui tient la nature et l'environnement entre ses mains. C'est Dieu qui les a créés et qui les tient entre ses mains. Le Seigneur a poursuivi en me révélant ceci, que si ces derniers, avec les spécialistes de l'environnement, se limitent seulement à mettre des moyens humains, matériels et financiers pour préserver la forêt du bassin du Congo et tout ce qui s'y trouve sans l'invoquer ni le prier, si on ne prie pas pour la nature, si on ne prie pas pour l'environnement, au-delà de toutes les mesures qu'on va prendre, il y aura une dégradation écologique qui continuera à perturber l'écosystème, à perturber le climat, en affectant la santé des hommes dans cette région de l'Afrique centrale et du monde. Bien-aimé, l'homme s'est détourné de Dieu. Et l'homme, en se détournant de Dieu, il est en train de détruire, à cause de la nature du péché, à cause du mal, il est en train de détruire l'environnement dans lequel Dieu l'a mis. L'homme en train de détruire par les actes qu'il pose, par le péché, par le mal. Et le mal et le péché que le Seigneur m'a révélé va attirer ces dégâts et ces catastrophes et cette dégradation. Nous devons invoquer le Seigneur. Les hommes doivent se tourner vers le Seigneur. Les hommes doivent l'invoquer. Parce que celui qui tient la nature. Mais l'homme s'est détourné de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et l'environnement, le péché fait que l'environnement en train de se dégrader. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé au sorti de cette vision. Que le péché qui s'accroît, le mal qui s'accroît, va continuer à dégrader notre environnement. Va continuer à dégrader les écosystèmes. Va continuer à dégrader le climat. Mais Dieu a fait les choses de telle sorte que les êtres vivants dépendent de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Notre bien-être, le bien-être de tous les êtres vivants, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, dépend de l'environnement. Et le péché, le mal, amène la destruction de notre environnement. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Je ne suis pas scientifique, mais nous savons que la forêt du bassin du Congo joue un rôle important pour l'équilibre environnemental, pour notre bien-être, pour le bien-être des êtres humains, des êtres vivants, de l'ensemble des êtres vivants qui sont sur la terre.
Nous savons que cette forêt apporte un bien-être à tous les êtres vivants. Le Seigneur m'a montré dans cette vision cette dégradation qui va continuer. Ce que j'ai vu dans cette vision était terrible. Je n'ai jamais vu cela depuis que je suis né dans ce pays, le Gabon, où les animaux fuyaient la forêt à cause de cette grande tempête. Ils ne pouvaient pas survivre. Ils cherchaient refuge auprès des êtres humains. Et le Seigneur m'a dit, tout cela symbolise des châtiments et des bouleversements naturels écologiques qui vont arriver dans tous les pays où se trouve la forêt du bassin du Congo. Il y aura une dégradation à cause du mal. Mais notre solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui est notre solution. Parce que celui qui a créé la nature, celui qui a créé l'environnement, celui qui a créé les écosystèmes, celui qui a créé la faune et la flore, celui qui a créé tout cela. Alors retournons au Seigneur, le créateur de toutes choses. Si nous l'éloignons dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, si les hommes se détournent de lui, s'éloignent de lui, dans leur vision de préserver la nature, de préserver l'environnement, la dégradation arrivera. C'est ce qui m'a été révélé en tant que prophète. Telle est l'interprétation que le Seigneur m'a donné à l'issue de cette vision que j'ai fait, que j'ai eue pendant cette nuit. Dieu révèle pour avertir les hommes. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Job 33 à partir du verset 18. Dieu révèle des choses à travers les visions pour avertir l'homme, pour nous prévenir des dangers auxquels nous sommes exposés. Soyez fortifiés, bien-aimés, et demeurons dans la prière. Si nous ne prions pas pour la nature, les bouleversements continueront. Et la zone du bassin du Congo sera secouée. La forêt, l'environnement, les écosystèmes qui constituent la forêt du bassin du Congo sera perturbée, sera bouleversée. Et si cela est bouleversé, la vie des êtres vivants se retrouvera menacée. Parce que les êtres vivants dépendent aussi de leur environnement. Dépendent de l'environnement naturel dans lequel Dieu les a placés. Seigneur, je prie ce matin que ce message, plutôt que cette vision dont tu as permis par ta grâce que je puisse recevoir l'interprétation, puisse toucher un grand nombre, puisse amener un grand nombre à se ressaisir, à se tourner vers toi. Toi le créateur de toutes choses, toi qui as créé l'environnement, les forêts, les eaux, les animaux et tout ce qui s'y trouve. Seigneur, je prie que les uns les autres se ressaisissent.
Je prie pour que ceux qui militent pour la préservation de l'environnement se tournent vers toi parce que tu es le Dieu de l'environnement. Parce que notre bien-être en dépend. Parce que le bien-être de tous les êtres vivants en dépend. En dépend. Parce que notre vie, notre santé en dépend. Oh Seigneur, c'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Nous avons parfois ignoré la préservation de notre environnement à cause du mal, à cause du péché, à cause de certainement nos ambitions et motivations malsaines, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas agréables à tes yeux et qui ne concourent pas à notre bien-être. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Toi qui m'as révélé que la dégradation de l'environnement aura des conséquences sur la santé de tous les êtres vivants qui se trouvent dans la zone du bassin du Congo. Oui, Seigneur, là où il y a la forêt du bassin du Congo, Seigneur, et mon pays, le Gabon, en fait partie. C'est ma prière ce matin. Saisis les uns les autres. Illumine les cœurs des uns des autres. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ.